Kumasi, toujours dans l'optique de recenser des points de vue de certaines personnes et étudiants sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je me nomme Cassia Agnossien-Poulet, je suis décorateur de Manif. L'université virtuelle, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça va au moins empêcher nos enfants de prendre, de gaspiller le transport. Parce que nous-mêmes, les parents qui sommes là, si on n'a pas, les moyens, comment faire? C'est-à-dire que tu vas donner au moins 1 000 francs à ton enfant chaque jour. C'est un budget qu'il faut voter. Mais s'il a la maison, qu'il a la possibilité de taper un smartphone, il a la maison, il prend les cours directement en distance là. C'est encore mieux parce que ça nous arrange, nous tous. Donc je vois que c'est une bonne initiative, celui qui a créé l'université, qui a conçu l'université, il encourage encore de faire 2, 3, 4, 5. Parce que nous, ça nous arrange. Parce qu'en Europe, c'est comme ça. Les enfants sont à la maison et puis tu attends un coup, l'enfant a son bac, ok, il ne va pas à l'école. Il n'a pas de kaki, il n'a pas de trucs. Donc c'est bon. Ici, si ils ont pris cette initiative, ça nous arrange, nous tous, nous les parents d'élèves. Merci. Je suis enseignant. Voilà. Qui aujourd'hui ont déjà commencé l'université et qui veulent vraiment, par difficulté, ne peuvent plus accéder à l'université et qui sont en train de se chercher. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Mais pour un bachelier qui vient d'avoir son bac, je pense que l'université physique est encore plus mieux parce que il doit être sur le terrain pour pouvoir bien pratiquer les choses. Maintenant, étant à la maison, bon, il va suivre les cours, ça va lui donner un peu de paresse. Ça, voilà. Bon, je pense que d'abord, s'il doit aller à l'université virtuelle, il faudrait qu'il accède d'abord aux cours de façon physique avant de penser à aller dans cette université-là. Salut, moi, c'est Bishop One Shop. Étudiant en gestion commerciale, je suis agent commercial de MOVE Côte d'Ivoire. Oui. Je trouve que c'est déjà bon parce que moi, comme ça, je suis agent commercial de MOVE Côte d'Ivoire, je suis promoteur. Mais puisque mes cours déjà sont en ligne, donc je trouve mieux d'aller dans l'université. Comme ça, je fais mes préoccupations et puis après, je suis mes cours en ligne. Je trouve que c'est une bonne conduite, c'est déjà bon. Bon, actuellement, c'est la norme de presque toutes les universités parce que nous devenons de plus en plus nombreux. Donc, pour pouvoir gérer tout ce nombre-là, il faut également dispenser des cours en ligne. Je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de pratique pour nous les étudiants, pour les enseignants et pour l'université. On apprend tout en restant chez soi à travers un ordinateur. Et pour la filière informatique, c'est parfait. Puisque pour l'informatique, on n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain. Pour créer un site web, par exemple, je n'ai pas besoin d'être sur un serveur. Je peux très bien travailler sur mon ordinateur. Et aujourd'hui même, il y a assez d'entreprises qui emploient des informaticiens qui travaillent chez eux à la maison, en France, aux États-Unis, partout. Donc, je trouve que l'université fait du bon travail. C'est une bonne chose en soi. L'université virtuelle, c'est un peu comme une alternative aux universités en présentiel. Mais il y a quand même assez d'avantages, puisque à l'université virtuelle, bon, l'étudiant établit lui-même son propre emploi du temps. Par exemple, moi, comme ça, je peux enseigner des élèves et puis maintenant me concentrer sur mes études. C'est l'université qui le permet, puisqu'il n'y a pas un programme, un emploi du temps préétabli par l'université que je dois suivre. C'est moi-même qui établis mon emploi du temps. Donc, c'est voilà. Maintenant, il y a le souci aussi du transport. Moi, par exemple, j'économise beaucoup d'argent tout en restant à la maison. Voilà, j'économise beaucoup d'argent tout en restant à la maison puisque l'université me permet de travailler de chez moi. Voilà. Maintenant, on évite aussi l'embouteillage et puis les problèmes de fessées à l'université, tout ça. Donc, c'est vraiment pratique. Pour ceux qui sont, par exemple, ailleurs, en dehors d'Abidjan, ils peuvent très bien travailler. Par exemple, je connais des amis qui sont à Beaunois où il n'y a pas d'université. Ils peuvent très bien travailler tout en restant chez eux. Donc, il y a un avantage, l'université virtuelle a un avantage sur les universités en présentiel. Bon, l'université virtuelle, au début, lorsque je voulais m'inscrire, les gens m'ont parlé de ceci, de cela. Ok, j'ai voulu tester.
Mais franchement, lorsque je suis rentré dans l'université, j'ai adhéré à l'université, je me suis inscrit. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Puisqu'on nous a dit que les cours se faisaient en ligne. Mais on constate que tous les cours sont pratiquement en PDF. Uniquement que des PDF, de 35 pages. Donc parfois on se retrouve avec 150 pages comme ça pour la semaine à bosser. C'est vraiment pénible. On n'arrive pas à bosser, à comprendre d'abord et puis à faire des exercices, à essayer d'assimiler. Non, c'est presque impossible. Puisque l'université nous-mêmes ne met pas à disposition les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre, franchement. Puisque les cours, je pensais que lorsque je m'inscrivais à l'université, je pensais que les cours étaient dispensés comme des formations de Udemy ou d'Open Classroom avec des vidéos à l'appui et tout ça. Mais non, c'est pas fait dans les normes comme on peut le voir, on peut le constater en Europe. C'est pas comme ça. C'est pratiquement laisser les étudiants à l'abandon. C'est-à-dire les étudiants se démènent eux-mêmes pour trouver des vidéos, pour aller chercher d'autres étudiants qui sont inscrits à l'université en présentiel ou dans les grandes écoles pour les expliquer. C'est pas bon. Les exercices de maths comme ça, on nous envoie les cours de maths, les exercices on ne comprend pas, tout en PDF. Il faudrait que le professeur essaie de traiter les exercices devant nous montrer les pièges. Et puis voilà, c'est comme ça, là au moins il nous montre comment il faut traiter les exercices. On voit un peu et puis maintenant on suit maintenant sa méthode pour apprendre. C'est comme ça que ça devait marcher. Mais je constate que ce n'est pas fait dans les normes. Bon, concernant les réticents à l'université virtuelle, je leur demande simplement de ne pas avoir peur, de seulement tester comme nous. Voilà, de se tester. Il y a assez d'avantages à l'université virtuelle. Voilà, il est autonome, il peut lui-même suivre ses cours, il peut organiser son emploi du temps, il peut faire beaucoup de choses. Il apprend. Ce n'est pas parce que tu es à l'université virtuelle que tu n'apprends rien. Non, tu apprends. Moi, j'ai appris énormément de choses. Il y a des choses que je ne savais pas en informatique que j'ai appris à l'université. Voilà. Et puis le diplôme est parfaitement reconnu. Le diplôme est reconnu, de ne pas avoir peur concernant le diplôme. C'est reconnu au même titre que les autres diplômes. Par contre, il faudrait que cette personne-là sache que tout n'est pas rose à l'UVC. C'est quelque chose qui est en phase d'expérimentation. Ça veut dire que l'université existe, ça fait quoi? 3 ans. Donc, il y a certaines erreurs. Il faudrait qu'on arrive aussi à tolérer l'université. Puisque l'université comparée aux autres universités de la Côte d'Ivoire est très jeune. Et les autres universités aussi ont connu ces périodes-là. Ces périodes, dans les débuts, ils n'étaient pas parfaits. Ils se sont améliorés au fur et à mesure du temps. Donc, il faudrait donner le temps à l'UVCI de s'améliorer. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas parfaites, mais ça vaut le coup maintenant de venir tester à l'UVCI, de venir s'inscrire à l'UVCI, puisque vous aurez un diplôme parfaitement reconnu en Côte d'Ivoire et à l'international. Il y a aussi des certifications. Les certifications vous permettront d'avoir des connaissances assez poussées dans certaines matières et puis vous offriront beaucoup plus de chances et beaucoup plus d'opportunités de travail que ce soit en Côte d'Ivoire que dans le reste du monde.